chance to be here and I hope to have a good time. Here's the words. Working on a railroad for a dollar a day. Working on a railroad for a dollar a day. Big Daddy Wilson, bonjour et bienvenue à Lan dans le cadre du festival Jazz Attitude. D'où êtes-vous originaire ? Pour commencer, je suis heureux d'être ici et merci de me recevoir. Je viens d'Edenton, en Caroline du Nord, aux États-Unis. C'est là où je suis né et où j'ai été élevé, une petite ville du sud de la Caroline appelée Edenton. Quand avez-vous commencé dans la musique et pourquoi ? First of all, I started music because in our little town, in our church, everybody and our my cousin, everyone done some music. J'ai baigné dans la musique car dans notre petite ville, notre église, mes cousins, tout le monde faisait de la musique, tout le monde chantait, jouait du piano et moi je ne voulais pas vraiment chanter. Je ne pensais pas devenir un jour chanteur car nous avions déjà beaucoup d'excellents choristes à l'église. Mais j'ai commencé à chanter à l'église et je suis tombé amoureux de la musique à partir de ce moment. Comment vous est venue la passion de la scène ? Well, you know, I was an extremely shy guy, and so to go on stage was nothing that I, you know, was looking forward to do, but vous savez, j'étais un garçon extrêmement timide, donc rien ne me prédestinait à monter un jour sur scène. En fait, la musique m'a tout simplement inspiré et donné une telle énergie que ça a fait disparaître ma timidité et donné le goût de la scène. C'est quelque chose de si puissant que ça prend le contrôle et me donne la capacité de le faire. Autrement, je suis quelqu'un de très réservé, de très calme. Je ne suis pas le genre de personne que vous pourriez voir monter spontanément sur scène. Alors, avec votre univers de folk blues et ses influences gospel, peut-on dire que vous êtes un bluesman ? Well, a bluesman. Yeah, I love this music and I'm a blues lover. I think a bluesman, there's no more bluesmen. The original bluesmen, they're all dead and gone. Un bluesman. J'adore cette musique et je suis un amoureux du blues. Je pense qu'il n'existe plus de véritables bluesmen. À ce jour, les pionniers du blues ont tous disparu. Je pense qu'il y a des artistes qui aiment, respectent cette musique, la chantent. Nous sommes là pour continuer de faire vivre cette musique, perpétuer la tradition, porter le flambeau. Je ne me définis pas comme un bluesman, mais plus comme un homme qui aime la musique blues et la musique en général, un interprète, compositeur de musique spirituelle, folk, soul, c'est ce que je fais. Yeah.
Alors, en parlant de blues, comment avez-vous connu ce genre musical? No, it was late, you know, because as a child growing up in the U.S. in a small town in the South. Non, cela s'est fait tardivement. Vous savez, j'étais un enfant qui a grandi dans une petite ville du sud des États-Unis. Nous écoutions uniquement du gospel et la musique diffusée à la radio était de la country. Du coup, je ne connaissais rien au blues et c'est lorsque je suis allé pour la première fois en Allemagne en tant que soldat que ma femme m'a emmené voir mon premier concert de blues. J'ai entendu cette musique qui m'a parlé, pris à l'estomac et je me suis dit « waouh ». J'ai su à ce moment-là que c'était la musique que je voulais faire. J'ai donc découvert le blues en Allemagne et non pas en Amérique. You need someone to hold the line when you climb to the top. Someone to make sure that you won't fall. Descend-il d'une famille de musiciens? In my immediate family, no, but many of my cousins, aunts, uncles. Non, pas du côté de mes parents, mais beaucoup de mes cousins, cousines, oncles étaient chanteurs, pianistes, batteurs, bassistes. Donc oui, il y avait beaucoup de musiciens dans mon environnement, ma communauté, mais pas mes parents. Ma dernière question, parlez-moi d'une chanson que j'apprécie énormément, Hold the Ladder. Hold the Ladder, yes. That was a song written for me and my wife by a good friend, a blues legend by the name of Eric Bibb. He wrote this song. Hold the Ladder, oui, c'est une chanson écrite pour moi et ma femme, par un bon ami, une légende du blues qui s'appelle Eric Bibb. Vous savez, tout le monde a besoin de quelqu'un. Le thème de cette chanson, c'est l'aide que l'on apporte à l'autre en l'accompagnant dans sa voix. Eric a été d'une aide précieuse dans ma carrière musicale. C'est comme lorsqu'on tient une échelle, chacun a besoin de l'autre afin de tenir cette échelle et pouvoir grimper jusqu'au sommet. Et c'est le sujet de cette magnifique chanson que j'aime beaucoup, qui parle de soutien, du fait d'être présent l'un pour l'autre. Et donc c'était important qu'il parle de l'univers de sa famille et du soutien de sa femme dans cette chanson. You know, you write about things you see and things that inspired you. And so yes, my wife is such a inspiration for me and for my career and for our family. Vous savez, vous écrivez au sujet de choses que vous voyez et qui vous inspirent. Et donc oui, ma femme est une telle source d'inspiration pour moi, pour ma carrière, pour notre famille. Et les femmes sont tous là. Elles sont les racines de toute civilisation. Ma femme a toujours été là pour moi, pour mes enfants. J'en suis amoureux et donc j'aime écrire des textes sur elle, chanter des chansons qu'elle m'a inspirées, chanter des choses simples, des choses qui me touchent. Et ma toute dernière question, pourquoi avoir accepté l'invitation du Zastitude et d'être venu à Laon? Well, I didn't know much about this town, but I have a booker in France who always find beautiful locations for us to play. Je ne connaissais pas cette ville, mais j'ai un agent artistique en France qui nous trouve toujours de belles opportunités de concert et c'est ensuite notre mission de voyager à travers le monde et diffuser ce message qui dit à quel point nous sommes connectés et à quel point la musique est un pont qui nous rapproche, nous aide et nous unit. Et à chaque opportunité qui m'est offerte de jouer ma musique dans un lieu différent, je suis ravi d'y être présent et ici en France, vous avez une culture si riche, il y a des gens cultivés qui aiment et respectent cette musique, c'est donc un honneur de chanter cette musique pour vous et cette ville magnifique. Rich people who really love this music and respect this music, and it's an honor to come here to play this music for the people in this beautiful city.
Merci Big Daddy Wilson d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci. Look at how I'm gonna play.
Thank you.